Emmanuel Macron se prononce sur la relation entre la France et l'Algérie. Alors que les relations entre la France et l'Algérie sont marquées ces dernières semaines par un coup de froid suite à l'affaire de la militante Amira Bouraoui, le président français Emmanuel Macron a déclaré le lundi 27 février qu'il allait continuer à avancer pour renforcer la relation de la France avec l'Algérie au-delà des polémiques actuelles. « Je sais pouvoir compter sur l'amitié et l'engagement du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Nous avancerons là aussi. » Il y a eu une polémique sur le retour en France d'une franco-algérienne depuis la Tunisie, avec aussi beaucoup de choses qui ont été racontées et un discours qui s'est construit, affirme Emmanuel Macron. En ajoutant, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont un intérêt à ce que l'on fait depuis des années maintenant avec l'Algérie n'aboutisse pas. Cette nouvelle grisaille dans les relations algéro-françaises risque surtout de remettre en cause la visite du chef d'État algérien Abdelmadjid Tebboune à Paris prévue en mai prochain. Plusieurs analystes et observateurs redoutent sa mise en cause, d'autant plus que l'Algérie n'a toujours pas décidé d'une reprise de fonction de son ambassadeur à Paris. Cependant, les deux pays ont intérêt à dépasser cette crise qui nuit à leurs échanges sur tous les plans.